Si 2020 a été marqué par l'arrivée de la pandémie de Covid-19, l'année 2022 restera comme celle de la mise en évidence d'un nouveau désordre géopolitique européen et mondial avec la guerre en Ukraine et celle du dérèglement climatique et écologique au niveau planétaire. L'astrologie peut nous aider à comprendre la période que nous vivons grâce à l'étonnante convergence cyclique qui se déploie entre 2020 et 2035. Des cycles de civilisation et de développement historique synchronisés avec l'univers. À côté de la découpe habituelle en ère astrologique, il existe un grand cycle de civilisation de 4000 ans des trois planètes transpersonnelles, Pluton, Neptune et Uranus, qui forment un octogone régulier de 8 cycles successifs de 500 ans des deux planètes Pluton et Neptune. Chaque cycle de 500 ans décline un paradigme spécifique à travers une civilisation dominante et regroupe les grands moments historiques repérés par les historiens. On distingue les 8 périodes pour chaque octogone de 4000 ans, avec des dates de début de chaque cycle. Les deux carrés extérieurs à l'octogone obtenu par prolongement de ces 8 côtés pointent les 8 dates d'opposition de Pluton et Neptune, ou pleine lune de chaque cycle de ces deux planètes. Ces pointes marquent l'apogée du cycle de 500 ans en question, d'où l'importance de ces dates. Les degrés zodiacaux des conjonctions et oppositions correspondent tous à l'étoile Aldébaran, à 2 ou 3 degrés d'orbe, dont on nomme la position en zodiaque tropical. Il se trouve que chacun des 8 cycles de près de 500 ans entre Pluton et Neptune, les deux planètes les plus lentes du système solaire, débute sensiblement au même endroit de la constellation du Taureau, à un orbe proche de l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau, représentant l'œil du Taureau. Les pleines lunes de ce cycle se trouvent également en alignement avec Aldébaran, Pluton conjoint et Neptune à l'opposition. On peut en déduire que ces 8 cycles sont synchronisés à travers cette étoile avec les constellations de notre galaxie et à travers elle, avec l'univers entier et sans doute la vie une. L'œil du taureau ne symbolise-t-il pas l'œil de Dieu et l'illumination ? Aldébaran, ainsi nommé par les astronomes arabes, signifie « celle qui suit », car elle est située à proximité de l'amas des Pléiades et dans une sorte d'alignement avec la ceinture d'Orion puis Sirius. L'information focalisée par Aldébaran rejoint notre système solaire et notre humanité à travers les planètes transpersonnelles Pluton, Neptune et Uranus et leurs 3 cycles de relations, puis à travers les 6 cycles qu'elles forment avec Saturne et Jupiter et enfin à travers les cycles de ces deux dernières entre elles et avec Mars. Il en est ainsi du plus grand, celui de Pluton-Neptune de 500 ans justement, au plus petit celui de Saturne-Mars de 2 ans, au niveau externe mais aussi au niveau interne à travers des cycles plus courts dont le plus connu sur Terre est celui de la lunaison. Les grands cycles de 4000 ans débutent avec une triple conjonction de Pluton, Neptune et Uranus et se déclinent en 8 cycles de Pluton-Neptune de près de 500 ans. Le précédent grand cycle correspond au néolithique, à l'aube de l'actuel qui a débuté en 577 avant notre ère, de grands instructeurs sont venus éclairer l'humanité. En Orient, en Chine, Lao Tzu, en moins 571, sort de l'ésotérisme de Fo Hi, instructeur du cycle précédent, et œuvre de concert avec Confucius, en moins 551. Tandis que le dernier Bouddha, Siddhartha Gautama, en moins 563, prêche sur les bords du Gange. Au Moyen-Orient, la religion du Zoroastre, dont l'existence remonte peut-être au millénaire antérieur, fleurit tandis qu'en Occident, enfin, Pythagore recueille toute la sagesse des savants de Milet, des temples égyptiens et des mages babyloniens pour donner à partir de la Grèce antique l'impulsion de la civilisation occidentale actuelle. Puis dans la filiation hébraïque, issue du grand cycle antérieur, la Bible fut écrite lors du premier cycle 1 Hélène, puis sont intervenus successivement deux instructeurs, fondateurs de deux nouveaux courants religieux. Jésus augurant le christianisme lors du cycle 2 et Mahomet, le dernier prophète de cette branche initiant l'islam lors du cycle 3. Ainsi, ce grand cycle au niveau occidental est celui du monothéisme qui se décline à travers 3 courants religieux correspondant aux 3 premiers rayons définis par l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey. Le judaïsme de rayon 1, aspect père, issu du grand cycle antérieur, héritier de ses connaissances prônant l'obéissance à la volonté et aux lois de Dieu, s'est imposé lors du cycle 1. Le christianisme de rayon 2, aspect fils, prônant l'amour entre les humains, s'est imposé lors du cycle 2 de l'Empire romain. L'islam relève vraisemblablement du rayon 3, aspect mère, d'intelligence active et de manifestation du souffle divin. Il est venu terminer et incarner le travail spirituel de ce cycle en tentant de gagner de proche en proche les humains pour les réunir concrètement au sein d'une même communauté, la Ummah.
les évolutions de conscience d'un cycle de civilisation à l'autre. Voilà, chacun de ces 6-8 cycles astrologiques concorde avec un moment de civilisation repéré par les historiens avec les deux phases successives d'évolution et de montée vers un apogée qui intervient comme par hasard lors de la pleine lune du cycle, suivi d'une phase d'intégration puis de déclin avant le renouvellement du cycle suivant. Le premier cycle Hélène de moins 577 à moins 83, en héritier du grand cycle antérieur, a donné les soubassements culturels de tout le grand cycle en cours pour lequel, à l'image du rayon 1, il donne l'orientation et la direction. Il a donné tous les fondements philosophiques, politiques, scientifiques pour le bon développement des individus et des sociétés sans pour autant se séparer du religieux qui reste dans l'ordre de l'intime, ce qui sera fait lors du cycle 5 opposé dans l'étoile octogonale. À la pleine lune de ce premier cycle, coïncidant avec son apogée, les conquêtes d'Alexandre ont disséminé ses connaissances vers l'Orient, ramené de nouvelles connaissances depuis l'Orient et rassemblé symboliquement le tout au sein de la grande bibliothèque d'Alexandrie qui rayonnera sur tout l'Occident méditerranéen. Deuxième cycle romain et du christianisme, moins 83 à 411, pose les bases d'un empire universel, l'Empire romain, dans lequel les individus, à l'exception des esclaves et des femmes, disposent d'une citoyenneté qui leur permet de voyager et de commercer dans tout l'Empire. La pleine lune du cycle correspond à l'apogée dans l'Empire romain. Dans ce cycle, Jésus prône une fraternité universelle dans laquelle chaque être humain est notre prochain. Dans le cycle opposé, le sixième au début duquel nous sommes présentement, nous vivons un empire économique mondial, alors qu'une nouvelle spiritualité, le retour du Christ, nous invite à vivre en solidarité comme des frères pour répondre aux inégalités criantes. Dans le troisième cycle de l'Empire arabe et de l'Islam, 411 à 905, des maisons de connaissances ont fleuri pour assembler des connaissances antiques provenant d'Orient et d'Occident, les faire fructifier et les retransmettre en Europe au cycle suivant à partir de l'enclave ibérique d'Al-Andalus. Le prophète Mahomet établit une religion qui se répand de manière fulgurante de proche en proche à travers une communauté humaine, la Oumma. Le cycle opposé dans l'étoile octogonale pourrait voir se répandre de proche en proche une civilisation du Verseau unifiant le local et le global. Dans le quatrième cycle, le destin de l'Europe s'est joué de façon irréversible, 905 à 1399. L'Europe est alors un espace commun avec une chrétienté affirmée et une convergence de civilisations et de cultures. Sa confrontation avec l'Orient musulman n'a cessé de l'inspirer, de l'irriguer de connaissances qui vont se déployer dans le cycle suivant de la Renaissance. Côté Orient, les empires arabes et byzantins commencent à flancher sous les coups de boutoir des hordes asiatiques. Dans le cinquième cycle de la Renaissance et des Révolutions, de 1399 à 1892, les humains se sont battus guerre de religion pour se donner la liberté de conscience, puis les libertés civiles et de devenir des citoyens à part entière, bien qu'encore à l'exclusion des femmes, avec des droits humains posant les trois valeurs de liberté, égalité et de fraternité. Ils ont osé défier des croyances et poser les bases d'une science objective libérée des préjugés. Mais ils ont alors séparé, sans le vouloir, le sujet de l'objet, la conscience subjective de la science objective. Chacune a dérivé à sa manière, au plus loin de son origine unifiée, pour tenter de trouver un sens qui s'est perdu en se séparant. Remarquant qu'à la pleine lune du cycle de 1145 à 1148 est né Newton en 1143, qui a formulé les lois de la physique mécanique, fondement de tout le paradigme scientifique de ce cycle qui nous accompagne encore en début de cycle en cours. Le sixième cycle en cours, 1892 à 2385, est vraisemblablement celui de la réunification. À travers un double mouvement de connaissance de soi et de connaissance extérieure autour de la reconnaissance des lois de la vie une. Dans l'élan de la double découverte en début de cycle, fin du 19e et début du 20e siècle, les fonctionnements de la psyché et de la physique avec l'équivalence de l'énergie et de la matière. Les fondements métaphysiques de ces lois et du nouveau paradigme ont été formulés à la fin du 19e siècle par Helena Blavatsky avec sa célèbre formule « L'énergie est de la matière à son taux vibratoire le plus haut et la matière est de l'énergie à son taux vibratoire le plus bas ». Alors que les fondements scientifiques ont été établis par Einstein au début du XXe siècle, avec sa célèbre formule E égale MC2, qui met en équation l'énergie et la matière augurant la nouvelle physique de ce cycle, différente de la physique mécanique du cycle précédent révélée par Newton. Parallèlement, la connaissance de soi se révèle à travers la psychanalyse et la psychologie. Donc où en sommes-nous dans le cycle en cours?
L'Europe, à la source de tout le développement occidental depuis l'Antiquité, le début de ce cycle de 4000 ans, est en perte d'influence mondiale, même si son modèle de couplage des deux systèmes démocratiques et capitalistes s'est exporté dans le monde entier, entraînant la chute du champion du communisme, l'URSS, et gagnant même le système communiste chinois. Nous sommes donc dans le cycle opposé à celui de l'Empire romain, et nous savons combien l'hubris impérialiste avait entraîné son déclin. L'anthropologue Philippe Descola met en garde contre l'hubris de l'Occident, la civilisation du progrès qui s'est glorieusement érigée au XIXe siècle grâce à la révolution industrielle et aux empires coloniaux, est désormais mise en échec par l'exploitation outrance des ressources de la terre et par les inégalités abyssales qui se sont creusées entre les humains. Dans le précédent cycle, à la même période du long sextile d'une centaine d'années entre Neptune et Pluton, correspondent à la Renaissance, les êtres revendiquent la liberté de culte et de conscience à travers les guerres de religion, puis après le siècle des Lumières, revendiquer obtenu les libertés civiles, lors des révolutions américaines et françaises. Dans ce début de cycle, nous vivons une lente maturation du nouveau paradigme. Les êtres humains accomplissent en nombre le processus d'individualisation de conscience qui est le but de l'ère des poissons, achevant le processus de croissance comme être du quatrième règne. Par l'intégration de leur personnalité, ils s'ouvrent graduellement à leur âme et au cinquième règne, le règne de l'âme. Ils ont pour responsabilité d'inclure et d'unifier pour construire la nouvelle civilisation du Verseau. Mais en sont-ils conscients, éblouis qu'ils sont dans ce passage en se prenant pour des élus plutôt que des serviteurs ? L'Orient, à l'image de l'Inde, a longtemps caché la lumière. Il s'agit maintenant de reconnaître que les êtres humains ont une âme et qu'au lieu de s'en glorifier, cela les oblige. La France, comme c'est sa mission, est en cours de le démontrer scientifiquement grâce à des physiciens comme Philippe Guimand. Les droits humains, nouvelle religion de l'humanité, l'Occident et en particulier la France, a formulé les valeurs perçues et traduites par le mental humain en sécularisant les notions d'amour et de fraternité, rayon 2 du christianisme. Et l'Orient, à travers la grande voix de Sri Aurobindo, nous rappelle qu'il s'agit de valeurs spirituelles, de la teneur du supramental et qui relève donc d'une religion au sens d'un moyen de relier. Le but de la religion de l'humanité s'est formulé au XVIIIe siècle par une sorte d'intuition fondamentale. Ce but est de recréer la société humaine à l'image de trois idées sœurs. Liberté, égalité, fraternité. Aucun n'a réellement été conquis en dépit de tout le progrès accompli. Cet échec tient au fait que l'idée d'humanité en notre âge intellectuel a dû masquer son véritable caractère de religion en s'adressant au mental de l'homme plutôt qu'à son être intérieur. Mais nous en sommes qu'au balbutiement de cette prise de conscience qui pourrait être vraisemblablement atteinte à la pleine lune du cycle 6 dans les années 2140. Observons les cycles pour comprendre la période que nous traversons. André Barbeau avait mis en évidence l'indice cyclique et montré que ces brusques bifurcations correspondaient à des périodes cruciales dans l'histoire. Or, celui-ci s'est effondré brutalement autour des années 2014 pour tomber au plus bas au début des années 2020, avant de remonter au début des années 2030. Pour comprendre ce phénomène et sa signification, il faut revenir au cycle et à leur courbe durant la période qui nous occupe de ce cycle 6, au moins depuis 1892 et jusqu'à sa pleine lune en 2140. Et faisons un focus sur les années 2020 à 2035. Donc voici le diagramme des cycles de 1892 à 2140 avec un focus sur les années 2020 à 2035. Depuis 1993, les trois principaux cycles sont croissants. Pluton-Neptune, démarré en 1892, Pluton-Uranus en 1965-1966, et enfin Neptune-Uranus en 1993. Et bien que le cycle Pluton-Neptune stagne encore dans son long sextile d'une centaine d'années jusqu'en 2032, le nouveau paradigme tente d'émerger. Il va s'exprimer dans les sciences humaines à travers les cycles des trois transpersonnels avec Saturne entre 2020 et 2035. Car justement, ceux-ci vont tous les trois se renouveler entre 2020 et 2035. Le cycle Pluton-Saturne s'est renouvelé en janvier 2020 en Capricorne, accentuant l'effet de la crise systémique et de destruction créatrice de Pluton en Capricorne. Puis en 2026, ce sera au tour du cycle de manifestation utopique de Neptune-Saturne de se renouveler au premier degré du bélier, c'est-à-dire si le renouveau risque d'être au rendez-vous. Enfin, le cycle Uranus-Saturne se renouvellera en 2032 à la fin des Gémeaux, conduisant à manifester de nouvelles idées mieux adaptées au développement humain. Si bien que ces années entre 2020 et 2035 propose une sorte de vortex propice à la manifestation d'une nouvelle conscience humaine adaptée au nouveau paradigme du cycle 6 en cours, d'autant mieux que les cycles
Des transpersonnels avec Jupiter sont aussi de la partie. Donc voici les sept cycles principaux de 1940 à 2040. À partir de 1996, les cinq cycles les plus longs sont croissants. Alors voici maintenant un tableau récapitulatif des cycles, principaux cycles majeurs et transits planétaires qu'on va vivre donc jusqu'en 2035. Donc période charnière, hein, 2020-2030 jusqu'à même 2035. Donc j'ai commencé par ce que j'ai parlé donc du cycle Neptune-Pluton, hein, le dernier de 1892 à 2384 en Gémeaux. Donc c'est un cycle moyen de 490 ans engageant une révolution mondiale, hein, souvent. C'est des changements de civilisation, c'est des irruptions de concepts révolutionnaires, de mystiques radicales et destructrices. Neptune, c'est le communisme et Pluton, le nazisme, par exemple. Ainsi, les conjonctions en Gémeaux de 1400, la Renaissance de 1890, le XXe siècle et les suivants. Manifestation, on peut dire que la conjonction met en lien Pluton, planète des transformations et des réformes, à Neptune, planète de la communauté, de l'universalité, etc. La conjonction ne se produisant en moyenne que tous les 500 ans environ, il ne peut s'agir que de changements à l'échelle planétaire dont les effets ne peuvent se ressentir qu'à posteriori. La dernière conjonction exacte s'est donc produite dans le signe des Gémeaux en 1891-92, signée à la communication, la découverte de l'environnement proche, l'enseignement primaire, la connaissance, la jeunesse, etc. La période fut importante pour tous les domaines liés à la communication, donc les moyens de communication sont en plein essor. On a vu le TSF, la radio, le téléphone, l'évolution vers l'instruction obligatoire, la réduction du temps de travail des enfants, etc. La précédente donc conjonction s'était produite en Gémeaux à la fin du 14e et au début du 15e siècle, comme on l'a vu, donc entre autres, hein, on notera le début de l'emploi du papier dans le nord de l'Inde, la Renaissance à Florence, etc. La prochaine conjonction, donc exact, se produira qu'en 2384, donc à nouveau dans le signe des Gémeaux. Donc Neptune actuellement, il est en sextile à Pluton, donc en bon aspect, c'est plutôt la rénovation mystique et religieuse, le retour d'anciennes idéologies disparues, la découverte de nouveaux mondes, réinterprétation du rôle de la sexualité, nouvelle vision cosmique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, que ce soit le physique quantique et relativiste, nouvelle cosmologie, développement des armes bactériologiques, gazeuses et nucléaires, sauvegarde de l'environnement, hein, les écologistes. Donc voilà, grand cycle très 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 large. Donc c'est pour ça que j'ai fait un détail sur ce cycle, on va dire, assez long. Et maintenant, je continue, donc on va parler de ce qu'on vit actuellement, donc le fameux carré Saturne-Uranus, hein, de 2020 à 2022, donc c'est la fin du carré, hein, qu'on vit actuellement jusqu'à la fin de l'année 2022, donc qui est un cycle des crises économiques, hein, donc on risque d'aboutir à une crise financière sans précédent, hein, beaucoup de, comme je vous ai dit, d'économistes en parlent, on nous alerte là-dessus, on est en récession, donc voire un effondrement de l'euro, donc ça sera à suivre. Donc ensuite, 2023-2030, alors 35. Donc 2023, bah forcément l'aspect majeur Pluton en Verseau. Donc j'aurai l'occasion de refaire une vidéo exprès spéciale Pluton en Verseau, car il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, je vais résumer, hein, synthétiquement. Pluton en Verseau, cycle de 248 ans, presque 250 ans. Donc son précédent transit était en Verseau. Donc c'était en 1777, hein, c'était suite à la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Révolution américaine. Hein, elle a marqué aussi également la Révolution française 12 ans après, en 1789. Donc entre autres, hein, il y a eu plein d'autres choses, hein, des inventions, etc. Donc on risque d'avoir une implantation et des réformes sociétales majeures en cours, hein, avec de grandes révolutions et des bouleversements mondiaux à partir de mars 2023. Mars 2023 sera intéressant à suivre. Donc ensuite, on a Saturne en Poisson. Bon, alors c'est parce que c'est 2023, mais c'est pas un cycle planétaire très, on va dire, très significatif, dans le sens que voilà, c'est pas un aspect planète, mais c'est un transit qui quand même va permettre, à mon avis, d'aider à dissoudre les structures de l'ancien monde, hein, enfin de Pluton en Capricorne, on voit, hein, cet ancien monde qui se détruit, hein, pour permettre de faciliter d'aller vers un nouveau monde, à mon avis. Donc 2024, ensuite on aura Jupiter conjoint Uranus en Taureau. Alors, c'est un cycle de 14 ans qui gouverne une
période d'expansion moderne excessive ou désordonnée. Donc ça se traduit, donc la conjonction par le progrès social, souvent les avancées technologiques, que ce soit l'informatique, l'exploration spatiale, ça peut être l'ouverture vers l'étranger, la liberté. Cette configuration peut être favorable à des accords internationaux, des signatures de traités, de paix, etc. Les planètes maîtresses respectives du Sagittaire et du Verseau, deux signes qui découvrent et qui vont à la recherche de l'inconnu, elles vont se traduire chez l'individu par une soif de conquête, de découverte de territoires ou de domaines inexplorés. Donc souvent, dans un thème personnel, c'est un caractère avant-gardiste, pionnier, etc. Cette conjonction peut être à la source de mouvements sociaux importants, hein, notamment dans l'éducation nationale, peut-être pour plus de liberté, de progrès. Mal vécu, la conjonction peut se manifester par des provocations, des coups de sang, des révolutions, des coups d'État, des brusqueries, des accidents inattendus dans l'aérien notamment, de l'extrémisme, dont pour les mathématiques et les matières scientifiques, voire la photographie. Donc ici, cette conjonction de ce cycle se fera dans le signe du taureau, qui peut permettre de mettre en place un nouveau type de monnaie, hein, notamment numérique, dans le monde entier, hein, dans divers endroits du monde. Uranus représente souvent le domaine numérique, donc dématérialisé, et donc le signe du taureau qui est symbolisé par l'argent, et Jupiter aussi, la croissance. Alors, 2025, ça sera donc le cycle Saturne-Neptune en bélier. Donc c'est un cycle de 36 ans qui gouverne un ordre idéologique communautariste, une zone d'influence tentaculaire illimitée sur laquelle le soleil ne se couche pas. A dominé dans le passé l'empire de Charles Quint et aujourd'hui le bloc de l'Europe slave et de la Russie, ça gouverne également les pandémies. Donc voilà, risque également peut-être de retour de pandémie à ce moment-là. Alors, c'est la combinaison entre la planète de la tradition, hein, Saturne, des limitations, de l'infiniment grand, hein, Neptune, des grands idéaux, des projets humanitaires et de grandes envergures. Donc a priori, ces deux planètes est un étrange mélange, hein, cette conjonction se traduit souvent par des vocations artistiques, humanitaires, religieuses. Elles se rencontrent par exemple dans des thèmes d'exégète. Comme cet aspect se traduit souvent par des idées à tendance sociale ou socialiste, voire communiste, hein, comme l'a démontré André Barbeau, la conjonction est étroitement liée au destin du régime communiste donc en URSS et en Russie. Donc il peut y avoir un intérêt pour l'histoire, notamment l'histoire des grandes civilisations, des langues anciennes, l'archéologie, la mythologie, etc. Donc ça c'est surtout dans un thème, on va dire, peut-être personnel. Alors les événements au niveau mondial, ce cycle est étroitement lié aux événements liés à l'histoire du communisme, de l'URSS ou de la Russie. Donc on a eu en 1917 la conjonction, il y a eu la révolution d'octobre. Hein. En 1953, il y a eu la mort de Staline. Et en 89, il y a eu le dernier cycle, hein, qui a eu lieu en Capricorne. Hein. C'était la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction. Donc c'était la chute du bloc soviétique et du mur de Berlin, avec la fin des régimes communistes, la déclaration d'indépendance de l'Ukraine et d'autres pays satellites avec la fin de l'URSS. Donc ce cycle parle donc d'effondrement d'un État, même aussi on pourrait parler d'un chef d'État, hein, comme par exemple Nicolae Ceaușescu en Roumanie, par exemple. Donc ce cycle risque donc d'impacter la Russie et l'Ukraine, mais aussi notre société occidentale, l'Europe et les États-Unis. On voit actuellement forcément avec cette guerre en Ukraine. Donc au premier degré du bélier à 0 degré 45, c'est un aspect de sextile. Il y a un aspect de sextile avec Pluton en Verseau et Uranus à la fin taureau, début gémeaux en 2026. Donc cela risque d'entraîner la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde et du système mondial matérialiste. Donc nous quittons, hein, les signes de terre et d'eau pour des signes de feu et d'air, avec les grandes planètes lentes, hein, les planètes transsaturniennes, hein, au-delà de Saturne, donc Uranus, Neptune, Pluton. Donc il y a une possibilité d'évoluer sur des réseaux plus humains où toute forme de domination par le pouvoir et l'argent sera exclue. Les plutocrates ne laisseront cependant pas leur classe et leurs acquis sans rien faire, donc ce sera une période particulièrement cruciale. Donc en bon aspect, c'est le pôle politique mystique, le communautarisme, le communisme, l'église orthodoxe, période inspirée, intuitive et morale, puissance idéologique maritime, empire universel, idéologique et planétaire, prospérité générale, imposante mais artificielle, économie inflationniste ou dirigée, financement à crédit, planification, développement maritime, industrie prospère,
de la chimie, du pétrole, de la pêche, sciences chimiques, biologiques et psychiques. En mauvais aspect, ce sera plutôt période de désagrégation idéologique et matérielle, disparition d'un modèle idéologique, dislocation d'un empire universel, confusion politique et idéologique, fausses croyances, immoralité, corruption, chaos, subversion, espionnage, conflits maritimes, affaissement aux ruines économiques, éclatement de bulles spéculatives boursières, pandémie microbienne. Donc à noter que toutes les planètes lentes là, auront changé de signe à partir du 7 juillet 2025, ce qui risque d'annoncer un avant et un après pour notre monde. Donc est-ce que la vie risque d'être très différente à partir de cette date? C'est fort possible. Donc peut-être le début d'un renouveau. Hein, le renouveau du cycle avec ce Saturne-Neptune au début du degré du Bélier, premier signe du zodiaque. Hein. Signe de renouveau, de début d'un du cycle, hein. Début du signe. Donc surtout qu'on a aussi par la suite que des bons aspects entre les planètes lentes, hein, notamment Uranus sextile Neptune, Uranus trigone Pluton et Neptune toujours en sextile à Pluton, hein, jusqu'en 2000. Jusqu'en 2028, on va dire, pour les deux autres. Et pour la dernière aspect, Neptune-Pluton, la sextile à Pluton, ça va durer encore longtemps. Donc aspect très important. À voir, à suivre. Hein. Plutôt en mauvais aspect, je pense, la conjonction Saturne-Neptune, on va voir ça va faire la suite à la désagrégation de notre système actuel, voire peut-être la guerre, donc à voir. Alors 2028-29, justement, suite à ça, on a le Saturne carré Pluton, hein, qui confirme cycle des guerres mondiales. Hein. Malheureusement, donc cependant, à partir de 2028, voilà, le carré de Saturne à Pluton peut nous mettre à l'épreuve, hein, aspect des guerres mondiales et des structures. Donc là, un cycle variable d'une année moyenne de 33 ans qui gouverne la ruine et la refondation d'un État, donc par exemple Israël, l'Inde, la construction européenne. La manifestation, c'est le mariage du froid, Saturne, les grandes structures, les limites, et du chaud, Pluton, la lave en fusion, l'atome, le nucléaire. La conjonction n'est jamais vraiment favorable, sauf si elle s'accompagne de réformes structurelles profondes. C'est un aspect karmique, elle coïncide avec la première partie de la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu une conjonction à l'époque en cancer, donc il y a eu de lourdes pertes humaines, soit aussi des années post-Seconde Guerre mondiale où il a fallu tout reconstruire, le plan Marshall en Europe. Et le début de la 4e République française. Alors, 4 jours après la conjonction exacte de 1947, c'est la partition des Indes, le Pakistan et l'Inde formant deux entités indépendantes du Commonwealth. C'est également le premier mandat de François Mitterrand qui parle de tournant de la rigueur lors des premières années de son mandat, lors de la décentralisation, dévaluation du franc. En 1982, ce fut également l'année de la fameuse demi-finale de mondial de foot en Espagne opposant la France à l'Allemagne. Donc peut-être que ce cycle aura un lien avec le destin franco-allemand. La dernière conjonction à 22 degrés Capricorne en 2019-2020 était marquée par la pandémie mondiale de Covid-19 avec l'annonce de changements cruciaux pour notre monde et notre société. On parlait déjà à l'époque du monde d'avant et du monde d'après. En plus, il y avait la conjonction avec Jupiter, une triple conjonction très rare. En Capricorne, qui n'y a eu lieu tous les 500 ans environ, je crois, de mémoire. Donc ça amplifie en plus ce problème, hein, ce côté pandémique. Alors la conjonction Saturne-Pluton peut marquer aussi des changements de gouvernement, la chute de politiques en place, de ruines. Avec cet aspect, tout ce qui est ancien doit être abandonné, et si Pluton est puissamment placé, il viendra faire table rase du passé. Donc impression de lourdeur, c'est le climat pesant, de peur, de souffrance, etc. Pour résumer, les mots-clés, c'est le cataclysme, la crise de civilisation, les grands bouleversements, les grands changements, les conflits politiques, âpres, la guerre mondiale acharnée, ruines d'empire, pénurie agricole et d'énergie et de matières premières. Sont les grandes famines, les pandémies virales, la baisse démographique, politique irréductible ou suicidaire. Ça peut être la dictature, le fascisme qui conduit une nation à sa rupture. Donc par exemple 1914, 1920. 1921-1941 et donc la prochaine 2028-2029. Voilà, donc on verra ce qui se passera d'ici là. Ensuite en 2032, on aura le cycle Saturne-Uranus, donc Saturne conjoint Uranus. C'est un cycle de 45 ans gouvernant la déstabilisation soudaine d'une situation stable et le renouveau d'un ordre politique et social. Ça domine le bloc occidental de l'Europe et des USA, les États-Unis.
Donc ça se traduit par une union de la traduction, donc Saturne, et du changement, du renouveau, du progrès, c'est Uranus. Cette conjonction semble marquer un bel équilibre. On retrouve cette conjonction au milieu de la Seconde Guerre mondiale à la toute fin du taureau. Faut-il y voir le début d'une inversion de conflit? On pourrait le croire car le 8 décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor des États-Unis, les États-Unis entrent en guerre. Donc Saturne était à 23 degrés au carré de Saturne du ciel des USA, à 23 degrés Verseau. Et Uranus sextile à Uranus natal. Cette conjonction symbolise vraiment les valeurs républicaines, les deux planètes semblant s'accorder entre tradition et progrès. On rencontre cet aspect dans nombre de thèmes de scientifiques touchant la biologie et à la biodiversité. Il y a des professions manuelles travaillant le verre, les cristaux, la lumière, mais aussi charpentier par exemple. L'importance de médaillés aussi politiques, généraux et sportifs ressortent. Dans le milieu politique, le qualificatif convenant le mieux serait sans doute démocrate ou conseiller. On le retrouve la plupart du temps dans les membres des partis modérés, donc de partis socialistes à républicains par exemple. Un mot qui pourrait qualifier la conjonction est aussi le mot pionnier, car vu un grand nombre de thèmes chez des initiateurs de mouvements philosophiques, politiques, spirituels. En Maison Neuve, par exemple, on y retrouve des astrologues ayant initié un courant, une école. Les thèmes de pionniers de l'aviation sont aussi nombreux, hommes ou femmes, ou hommes de défi, comme si dans l'aspect Uranus incitait à trouver ses propres limites. Sur un plan médical, on retrouve aussi des thèmes de psychologues ou de gens souffrant de problèmes psychologiques, parfois maladies touchant au cerveau, les nerfs, l'épilepsie, etc. Le milieu dans lequel grandit la personne est souvent soumis à bouger pendant son enfance. Par cet aspect, on note aussi l'importance des relations grands-parents à petits-enfants, ce qui semble logique car la conjonction se produit tous les 45 ans environ. Alors les événements, c'est une période qui s'étale d'environ d'avril 41 à mai 43 par exemple, correspond au cœur du deuxième conflit mondial, voyant les USA entrer en guerre, marquant un tournant dans le conflit. Donc avec Uranus, il y a toujours un tournant brusque, imprévisible, enfin un retournement de situation par exemple. Et donc à la fin des années 80, bien que la conjonction exacte se produise seulement en Sagittaire, on la retrouve aussi très étroite au début du signe du Capricorne, dès la moitié du mois de février 88, le 13 marquant l'entrée de Saturne en Capricorne suivi d'Uranus. Donc si l'on considère un orbe de 10 degrés, ce qui est très large pour ce type d'aspect, la conjonction couvre une période allant de décembre 86 à janvier 90. La période allant du 20 mars 86 au 8 mai 88 marque la première cohabitation sous la 5e République française. En 88, deux événements politiques d'importance, la fin du conflit Iran-Irak et le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Le parc du Yellowstone est ravagé par les flammes, ce qui sera finalement favorable à la biodiversité. Inauguration de la pyramide du Louvre à Paris, faite d'acier et de verre, donc un beau symbole Saturne-Uranus. Hein. Il y a eu la création du CAC 40 à Bourse. La réaction de François Mitterrand le 8 mai 88 est aussi marquée par la conjonction Saturne-Uranus. Alors l'année 89 est marquée par trois grandes inaugurations, donc le Grand Louvre, l'Opéra Bastille et l'Arche de la Défense, ainsi que par le succès du bicentenaire de la Révolution. En Pologne, le mois de mars 88 est marqué par le début des manifestations étudiantes, Saturne-Uranus en Sagittaire, les hautes études. Ce qui conduira en 89 à l'effondrement du bloc de l'Est, Saturne sera en conjonction séparante d'Uranus et en conjonction exacte à Neptune. Donc cet aspect pourrait être soit tout s'écroule hein, pour reconstruire quelque chose de plus sain. Ou alors rester sur les mêmes fondements avec des problèmes de restructuration, avec des problèmes peut-être de problèmes de pouvoir, des craques financiers encore une fois. Donc en bon aspect, pôle de révolution et d'attraction, mise en place d'un ordre nouveau, renouvellement d'un système politique et social, période de progrès durable, d'innovation et de politique réformatrice. Réforme des traditions, rajeunissement de l'encadrement, faisceau d'invention, architecture de base de tours de verre et d'acier, c'est l'exploration du cosmos, etc. En mauvais aspect, c'est les changements brutaux, préjudiciables à l'ordre politique et social, les bouleversements soudains et durables, une rupture d'alliance, blocage des communications, l'ébranlement des valeurs et de pouvoirs existants, la révolte politique et sociale, la dépression économique subite, donc krach boursier, catastrophe grave et soudaine, séisme, etc. Alors,
2033 de 2034. Ensuite, on a Jupiter, Trigone, Saturne dans les aspects les plus importants. Donc, c'est un cycle mondial important de 20 ans dont les conjonctions observent une périodicité étonnante. En effet, elles ont lieu 10 fois de suite dans une même triplicité de feu, puis de terre, puis d'air et enfin d'eau, qu'elles parcourent de manière rétrograde, par exemple Capricorne, Vierge et Taureau. Soit 4 cycles moyens de 200 ans et un grand cycle de 800 ans. Après 3 grands cycles de 2400 ans, elles se reforment au même lieu du zodiaque. Donc en 7 avant notre ère, Jésus-Christ naquit sous cette conjonction en poisson qui reliait 2 autres grands cycles, Uranus-Neptune par Jupiter et Mars-Pluton par Saturne. Donc d'une rare durée, cette conjonction présentait la particularité d'être triplement rétrograde, ce qui en fit un phénomène céleste remarquable, observé et commenté dans tout le monde antique et relaté dans l'évangile de Matthieu sous le nom d'étoile des rois mages. Cette conjonction symbolise l'alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, hein, les deux glaives, et gouverne l'ordre spirituel, politique, économique et social. Donc c'est un aspect mettant en jeu deux planètes semi-personnelles complémentaires et importantes dans l'intégration d'un individu dans la société. Jupiter correspond à l'âge de la maturité et Saturne à celui de la retraite. Jupiter, c'est l'expansion et Saturne la restriction. Jupiter est la théorie et Saturne est la pratique. Le porteur de cette conjonction est souvent preuve de maturité et d'expérience. Désir d'élévation et d'ascension sociale, le militaire voudra accéder aux plus hautes sphères, le cuisinier voudra être un grand chef. Et quand il n'atteint pas le haut du panier, l'individu peut servir de référent. Donc c'est bon pour l'endurance, engagement sur la durée, accès au poste de responsabilité, attirance pour la politique ou la médecine. La conjonction au niveau mondial peut servir de base à une construction à moyenne ou longue échéance. Au niveau mondial, la conjonction fait aussi référence aux grandes structures, donc les ponts, les grandes voies de circulation, etc., les bâtiments officiels. À l'échelle de la vie humaine, la conjonction peut se former 5 fois, voire 6. Elle correspond à l'entrée dans la vie d'adulte, hein, la quarantaine, âge où l'on tire un bilan de sa vie avec éventuellement une réorientation de vie. C'est l'âge de la retraite, hein, au troisième retour de la conjonction, l'âge de la vieillesse au quatrième, cinquième, voire sixième retour. Donc autant d'étapes qui peuvent nous permettre de jalonner notre vie et d'en faire le bilan. Mal vécue, la conjonction peut marquer une période de stagnation. Dernière conjonction exacte était le 21 décembre donc 2020 à 0,29 du Verseau. Donc c'était le démarrage d'un cycle d'air de 139 ans. Donc là, on a terminé les cycles de terre hein, qui représentaient le matérialisme. Donc on arrive sans doute à la fin du matérialisme pour ce qu'on appelle l'ère du Verseau, donc un monde plutôt fraternel et d'échange et de plus humain. Alors, les événements durant le XXe siècle, il y a eu la conjonction qui s'est formée une première fois de janvier 1901 à février 1902. Saturne était en domicile en Capricorne, les valeurs saturniennes domineront sur les valeurs jupitériennes. En France, la loi du 1er juillet 1901 marque la première étape de la séparation de l'Église Jupiter et de l'État Saturne. Donc en Suisse, la population refuse la séparation de l'Église et de l'État par référendum en 1902. En Afrique et en Europe, ouverture de nombreuses voies de chemin de fer, achèvement du transsibérien en Russie. Donc en bon aspect, c'est la prospérité générale, essage, administration, période politique importante, politique expansionniste, développement économique et international, financement de grands projets, accords internationaux importants, bonne entente entre le temporel et le spirituel, cycle économique et boursier haussier. Donc ensuite, on a Jupiter, Trigone, Uranus. Donc c'est la même signification que ce que j'ai parlé pour 2024 hein, avec la conjonction, mais en plus positif, vu que c'est un trigone, aspect positif. Donc les changements seront sans doute nécessaires à une véritable amélioration grâce aux progrès technologiques et humains. Des événements positifs sur le plan collectif, hein, sans doute. Un aspect qui peut toucher l'humanité dans son ensemble. Donc une toute nouvelle ouverture à l'autre est possible. Ça confirme encore une fois qu'on se dirige vers ce cycle uranien, ce côté verso, ère du verso. Mais en 2034-35, on rechute un peu, on va dire, et on retrouve l'opposition, donc Saturne opposé à Pluton. Donc il y a eu le carré en 2028-29, donc c'est à peu près la même signification, peut-être moins puissant. Donc il y a un affrontement entre deux styles assez radicaux, l'une de l'autre, hein, période de blocage, d'enfermement psychologique, mais aussi de période de frustration et de rétrécissement.
Alors des événements négatifs d'autoritarisme, comme par exemple dans les années 30, hein, en 1930 et 33, il y a eu l'émergence du nazisme, la politique de Staline, la Grande Dépression aux États-Unis, etc. Donc c'est souvent des climats de peur, comme j'ai dit, géopolitique, idéologie extrémiste, période d'involution, un retour en arrière forcé qui peut nous ramener vers des formes de fondamentalisme. Donc ce sera quand même une période cruciale, hein, conjonction en 2020, quand il y a eu le Covid, hein, la pandémie. On a eu le carré croissant, enfin le carré croissant sera en 2028-29, l'opposition en 2034-35 donc, et le carré décroissant en 2044, avant un retour du cycle en 2054. Donc Pluton a initié la Révolution française en 1789, avant son entrée 12 ans plus tôt dans le signe du Verseau en 1777. Donc si on suit les cycles et les événements à travers l'histoire, hein, on pourrait dire que 12 ans après 2023 est la première incursion de Pluton en Verseau. Donc nous serons en 2035 et donc on pourrait revivre à peu près les mêmes schémas. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, hein, des événements majeurs qui nous attendent. Donc c'est vrai que grand exposé, grand cycle planétaire à voir, hein, avec de grands changements, de grands bouleversements, la grande bascule comme on en parle. Donc voilà, on va suivre tout ça. Donc j'ai terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.